Ok, bienvenue tout le monde aujourd'hui, bienvenue pour l'épisode 7 de Beniago, dans lequel du coup aujourd'hui on va ensemble faire un petit world tour, parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas réellement fait de world tour. En fait j'avais fait des petits world tours mais genre vraiment très rapide pour vous montrer les avancements de certaines bases, mais je n'étais pas réellement rentré en détail. Mais du coup aujourd'hui j'ai allé faire des visites de toutes les bases pour vraiment vous montrer tout ce que les autres ont fait. Donc oui, alors déjà tout d'abord je tiens un peu à m'excuser si j'ai pas fait énormément d'épisodes de Beniago ces derniers temps, mais il faut savoir que pour moi, la série est bientôt, enfin la saison plutôt, est bientôt terminée. Quand je dis bientôt terminée, c'est que je n'ai plus du tout de choses à faire en fait, à part limite le dallage du Nether, ce genre de choses, ou alors la grosse usine à faire qu'on voulait faire, mais au final cet épisode ne sera jamais publié, je pense. Enfin, même en fait, ne sera jamais publié tout court. Bien, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais du coup, commençons tout de suite. Alors ici, c'est donc le spawn. Donc c'est ici que tous les nouveaux joueurs spawn, ou toutes les personnes qui n'ont pas de lit spawn. Donc ils spawnent sur ces 4 blocs de verre juste ici, donc c'est une usine à faire. Juste en dessous se trouve une usine à mob. Voilà, donc on peut directement y accéder par ici. Donc d'ailleurs, un petit column qui brûle. Donc tous les loot en fait sont récupérés, si vous regardez bien, juste ici. Donc on ira voir ça juste après. Mais du coup, ici, il y a une petite tour en mob qui a été faite par je sais plus qui. Une tour en mob très simple en fait, qui n'a pas de redstone. La seule redstone qu'il y a, c'est pour tuer les witch, il me semble. Enfin, pour tuer le mob et juste le trieur ici. Sinon, il y a genre vraiment aucune redstone. Donc là, voilà, ici. C'est juste l'ascenseur item, enfin bref, je pense que vous voyez pour ce que c'est. Du coup, c'est que ici on va directement hop sortir d'ici et on va aller directement vers le pont qui amène au spawn, parce qu'en fait ici c'est vraiment l'endroit où les joueurs spawn, mais c'est pas réellement le spawn, parce que du coup pour aller au spawn on prend du coup ce pont, voilà, qui était fait bah en fait je sais pas du tout par qui c'était fait, sachant que c'était déjà là avant que j'arrive, donc je peux pas savoir. Dans tous les cas ici voilà, donc enlever le bot Frostwalker pour pas que ça gèle, parce que du coup parfois il y a des petits problèmes apparemment avec les bots pour la tour qui est là bas et peut-être aussi pour l'usine à faire, bref je sais pas. Et ici du coup si on tourne directement à gauche, on a du coup l'endroit où on peut récolter les loot. Donc quand je dis récolter les loot, c'est tout ce qui est faire, oula, vache, apparemment il a pas mal, ouais. Comme quoi, c'est vraiment plus énormément d'activité sur le serveur. Hein, quand je parle d'inactivité, c'est genre vraiment pas mal. Il y a plus grand monde sur le serveur. Ici, la tour mob, voilà, bon, qui se remplit au fur et à mesure. Hein, mais comme il y a. C'est genre une mini tour mob, mais comme tout n'est pas éclairé au spawn, c'est un peu difficile. Donc ici, c'est un bâtiment, il me semble, qui était fait par Anathen, si je me trompe pas, ou alors. Monster ? Anathen, Monster, je sais pas. Un des deux, en tout cas. Ou alors, c'est pas du tout. Alors, peut-être c'est Max Payne. Aucune idée. Mais du coup ici il y a un petit chemin qui mène au bâtiment principal du spawn, je dirais. Donc qui est là où les nouveaux arrivants peuvent s'installer temporairement. Donc en fait c'est comme un mini hôtel. Donc comment, enfin pourquoi s'installer temporairement? Simplement parce qu'ils proposent leurs affaires, ils vont pas directement s'installer en fait dans leur biome. Sachant qu'il faudrait déjà quand même en trouver un, faut stocker les affaires, etc. etc. Parce que toujours il y a un petit stock d'affaires qui est donné, mais c'est pas directement dès qu'ils arrivent, hop, ils font voir le tour, puis directement ici. Après ils vont aller chercher leur endroit. Non, c'est d'abord. Ils vont un peu s'installer, voilà, ils ont quelques semaines pour se mettre dans les coffres ici. Donc par exemple pour ma part c'était ici que je m'étais mis. Ici c'est apparemment Natsu qui est totalement inactif depuis plusieurs saisons. Ici le joueur invisible. Ok, rien, bon je pense qu'après on va éviter de fouiller trop dans les coffres. Au-dessus c'est apparemment encore le petit coffre, donc c'était Falco et personne. Onze aussi qui s'est installé. Mais du coup c'est que si on descend tout en bas, normalement je pense que vous allez peut-être, je sais pas si vous l'avez déjà montré ou pas, mais je pense en début de saison 8, il y a donc des mini champs, ouais, une petite station de farm, donc tout ce qui est culture, etc, etc, aussi une petite usine à poulet, donc malheureusement qui ne produit plus rien, je pense parce qu'il n'y a plus du tout de poulet, ou alors parce que tout simplement quelqu'un... les prend à chaque fois, je sais pas. Ici du coup pour reproduire, enfin pour faire cultiver les cultures rapidement. Ici après on a juste à récolter tout ça manuellement. Donc c'est pas mal pratique ça pour les PNJ, sachant qu'on n'a pas trop de farm à melon, etc, etc. Ici on a du coup une usine à canne à sucre. Donc normalement qu'en fait quand un membre de Beniago, enfin un nouveau membre sur Beniago arrive, il n'a pas le droit de se servir dans toutes les usines normalement avant une semaine. Donc ça c'est une règle, ça soit dans l'usine à fer ou quoi que ce soit. La seule usine où il a le droit d'aller se servir, c'est vraiment l'usine à poulet. Ça c'est un truc très important à savoir. Parce que bon, si dès le départ on a le droit de se servir dans toutes les usines, c'est quand même un peu overkill. Enfin, pas overkill mais un peu cheaté, voilà. Du coup on va remonter, ici on a du coup le portail du spawn, donc je pense qu'on ira dans le Nether juste après pour peut-être quand on commencera à aller dans les bases. Dans tous les cas ici c'est la carte du monde, ouais, alors apparemment Aquariax n'a toujours pas remis la carte de chez lui ici, c'est un peu dommage, ça fait genre un mois qu'il l'a, qui dit ouais je vais la remettre, mais bon, aucune importance. Du coup c'est que ici c'est donc la map totale en fait du serveur. Donc on a une règle sur Beniago qui du coup de ne pas s'installer en dehors de cette map.
Donc je pense que vous vous doutez bien pour environ normalement 20 membres, je sais pas du tout combien de membres on est, il me semble qu'on est environ 25, je dirais, ou 25 si j'ai bien calculé. Donc on doit s'installer en fait vraiment dans cette map là. Le problème avec ça, c'est que vous vous doutez bien qu'au fur et à mesure, il y a vraiment plus de place quoi. Genre moi déjà quand je suis arrivé, c'était au mois de novembre 2016, le seul endroit qui était un peu correct pour m'installer là où j'avais de la place, c'était ici. Donc ensuite il y a Oxy qui s'est installé ici, enfin bref, après il y a les bases d'à peu près tout le monde, mais vous voyez quand même que c'est grand, mais c'est pas mal réduit, donc par rapport à ça c'est quand même un peu embêtant. Bref, ensuite ici du coup tout ce qu'on a à faire, donc ne plus avoir de torches au spawn, bon, ça ok, un panthéon de mort, ok, merci de moi, recherche employé compétent monster, ok, une bite, ok, 11-0 est la solution. Ah, ça par contre ça pourrait être utile si 11-0 est la solution. Ensuite ici on a du coup la base de Max Payne, je pense qu'au pire on va directement y aller éventuellement, ouais allez on va directement y aller je pense, ou alors non on va d'abord visiter le port, je pense qu'on va d'abord visiter tout ce qui est shop. Du coup ici il y a donc tout ce qui est shop en fait, donc ici on a du coup le premier shop de Monster qui est du coup après dans le thème de sa base qui est asiatique. Donc il vend des colorants et du bois, il me semble qu'il en a remis il n'y a pas si longtemps que ça, sauf du hawk, voilà, il a pas remis énormément de hawk. Donc les prix sont vraiment, je sais pas où est-ce qu'ils sont les prix, il y a les prix ou pas ici. Ah voilà, 2 blocs de diams ou 2 blocs d'or pour, enfin 4 blocs d'or pour un stack. Donc ouais, c'est, enfin 4 blocs d'or je trouve quand même, c'est pas réellement cher en fait quand il y repense avec l'usine à or qu'on a, mais bref, aucune idée. Aucune importance plutôt. Donc ici si on va un peu vers la droite on a un petit chemin voilà, avec un petit arbre plutôt sympathique, avec toujours un petit lac voilà, comme ça peut toujours être sympa, avec du coup un bâtiment, il me semble que ça c'est Max Payne, enfin, en tout cas moi, pour moi c'est vraiment le style de Max Payne si je me trompe pas, et en plus oui c'est bien sa bannière, donc ouais, qui est du coup un shop de clay, avec un shop après tout, il me semble qu'il a été fermé pas mal de clay, donc ouais je pense que là dessus on risque pas d'en manquer, ou même de la pot zone, c'est intéressant. Ici la caisse, je sais pas s'il y a des hoopers ou pas. Il n'y a pas de hooper, c'est vraiment un petit coffre comme ça. Ensuite ici on a le shop de Matoche qui est du coup un shop de redstone. Donc on peut acheter des pistons, répéteurs, etc. etc. Donc je pense qu'on est prêt à ce que c'est. Je sais pas du tout ce qu'ils sont ces prix. De bah voilà, en fait ils sont sur les item frames, donc oui, tout simplement. Ici si on a besoin d'une commande éventuellement, que ce soit une porte 3x3, enfin des systèmes redstone, ça peut toujours être utile. Ici on a le shop de Zillow qui du coup vend tout ce qui est un peu plus rare en fait, et qui est aussi également dans son, enfin dans le thème de sa base. Ça je pense que vous allez le voir juste après quand on ira visiter sa base. Mais du coup ils vendent tout ce qui est vraiment rare, comme par exemple tous les blocs de laine, des lampes, des shulker box aussi, maintenant il n'y en a plus beaucoup, sachant que on va dire qu'il y a tellement de membres d'emprise que voilà, il n'y a plus rien du tout. Les blocs, des potions, des élytras aussi, pas mal. Ouh la vache, c'est élevé, ça monte les élytras et tout. Et puis ici une petite tête de dragon, voilà, et ensuite un shulker élytra, puis ensuite ici c'est des décorations. Voilà, c'est plutôt sympa ici, en plus on peut ressortir. J'ai pas mal ici ce petit chemin. Ici c'est juste un moulin qui il me semble n'a rien du tout. Enfin, en tout cas, j'ai jamais été dedans en fait. Quand j'y repense, j'ai jamais été dedans. Donc il y a rien. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est sympa. Ensuite, hop, on va directement, je pense, repartir. Je pense que ça serait cool. Il n'y a pas d'autre chose à voir ici. Non, donc vraiment rien d'autre à voir. Du coup, on descend. Ici c'est un shop de... C'est pas T-Boy, il me semble pas que c'est T-Boy. Hein. Qui c'est, bon, au pire, on va directement aller voir le shop chez Rick. Qui est du coup un shop de bouffe, voilà, qui est pas mal utile, franchement. Tout ce qui est bouffe, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite aussi, il vendait des beacons, ce que malheureusement, en fait, comme il était inactif pendant quelques mois, bah, on va dire que. Enfin, en fait, Rick était quelqu'un qui était pas mal actif, faisait quand même du bon boulot. Parce qu'au final, il est absenté pendant quelques mois, donc quand je suis arrivé, puis peut-être. Un mois ou deux mois après, quand je suis arrivé, il est revenu. Puis ensuite, il est reparti. Mais comme en fait, ça faisait très longtemps qu'il n'ait pas mis de beacon dans son shop, je me suis simplement permis de faire un shop qu'on verra juste après. Mais voilà, c'est rien de bien intéressant. On peut dire ça comme ça. Et ici, du coup, c'est le shop de T-Boy. Ah, il y a deux shops T-Boy. The fuck? Il y a deux shops. Bon bref, dans tous les cas ici c'est du coup un shop de terraforming il me semble, si je me trompe pas, hein, c'est... Ouais voilà, tout ce qui est terraforming etc. Donc par exemple, au pire on verra peut-être un petit exemple tout à l'heure, mais si on a besoin, je sais pas, de raser une montagne par exemple, et eh ben on peut très bien l'appeler. Voilà, imaginons, cette montagne là est complètement dégueulasse, bon évidemment elle est pas dégueulasse, sachant qu'elle est plutôt bien un peu bégayé, un peu re-terraformé. Il me semble d'ailleurs que c'est Eric, ouais, il me semble que c'est Eric le, tout là-haut. Mais voilà, par exemple, il peut tout simplement la raser, puis voilà, rien de plus simple. Ici, du coup, c'est un deuxième shop à T-Boy. Ah, ouais, d'accord, ok.
Commande. Ok, apparemment c'est pour commander des outils. Alors, je vais juste lire une minute les explications. Ouais, voilà, en fait c'est par exemple si on a besoin d'enchantement, il peut très bien nous le faire. Donc ouais, c'est plutôt cool, je sais pas si là où il y a des trucs ou pas. Ok. Alors j'ai vite trop resté parce que parfois en fait si on regarde bien, il me semble que ça peut très bien spawner, il me semble par exemple ici ou ce genre de choses. Sachant qu'il y a déjà plusieurs creepers qui ont pété dans ces magasins, donc ouais. T-Boy, si tu regardes cette vidéo, c'était toujours là. Éclaire un peu, voilà. Ici du coup c'est un shop de Anaten qui est un parti vraiment dans un thème elfique, qui est vraiment un builder en fait pas mal elfique. Qui du coup a fait un shop plutôt basique de feu d'artifice. Voilà, en fait il a décidé de faire une tour mob chez lui, de mettre des tours de feu d'artifice. Maintenant il est plus du tout actif, donc ce qui est un peu dommage, mais dans tous les cas moi j'ai fait ma petite réserve, j'ai été fermé un peu, donc là-dessus pas trop de problème. Je pense que du coup on va peut-être passer au port. Si un peu, non, il n'y a pas de chemin, au pire on va directement passer ici. Donc ici c'est du coup une zone de pêche, donc si on a besoin de pêcher si jamais, mais je pense que personne l'utilise. Avec les petits bateaux que Monster FN, donc pour ceux qui regardaient la série Skyblock sur Skycube, je pense que vous voyez près c'est quel bateau. Voilà, je pense que ce bateau vous dit quelque chose. Ici du coup c'est le spawner en squelette, donc c'est normalement l'usine qu'on a le droit d'utiliser au début. Enfin en tout cas moi j'ai utilisé parce que quelqu'un m'a dit que j'allais utiliser, donc normalement on a le droit d'utiliser. Donc c'est un spawner à zombie, un squelette il me semble, ou c'est seulement un squelette. Je sais plus du tout. Ouais c'est un squelette à zombie, donc ouais. Un spawner plutôt basique, hein. je pense pas que j'arrive à vous le montrer, au pire vous avez qu'à aller voir les épisodes précédents, ou alors l'épisode de la personne qui l'a fait, je sais plus du tout c'est qui, j'en suis un peu désolé. Ici du coup voilà un petit port plutôt sympathique qui est aménagé par Monster et par Max Payne, donc ça c'est vraiment sympa. Par contre dommage qu'il n'y ait pas de chemin pour aller ici, c'est pas grave, c'est déjà plutôt sympa ici. Hop, du coup on va remonter évidemment si on peut, voilà comme ceci. Du coup ici normalement on a le port juste de l'autre côté. Donc un port en fait qui a été construit par Max Payne au départ. J'ai l'impression que j'ai des petits lags. Donc il est construit par Max Payne au départ en fait. Et c'est qu'au fur et à mesure tout le monde a commencé un peu à faire ses bâtiments, puisque bah fallait pas qu'il soit vide, hein, faut pas que ce soit Max Payne qui fasse le bâtiment le pauvre. Hein. Là qui font quand même un plutôt bon travail. Si en plus c'est lui qui devait tout faire, ça avait posé un peu de problème. Du coup, ici on a simplement mes deux shops, voilà, donc ils sont un peu en quelque sorte reliés. Ils sont pas, je suis pas tellement satisfait de ces shops là, je trouve qu'ils sont relativement basiques et un peu trop fins en fait, si on remarque vraiment ici, c'est genre juste un pattern de 3 parce que j'avais pas on va dire bien suggéré la construction, mais bon c'est pas grave. Du coup ici on a simplement un shop on va dire pour les flemmards, comme c'est écrit ici, la shop pour les flemmards. Donc pour ceux qui ont la flemme de rester AFK du coup à l'usine à Gouradienne, voilà, ils peuvent du coup acheter les matériaux ici. Et il me semble que c'est un peu cher Cadiams. Ah oui, non, ok, je sais pourquoi j'ai mis ça 4 games. C'est juste que en fait ça se vendait un peu trop bien. Donc, ici, du coup, c'est mon shop à Beacon. Donc voilà, j'ai farmé quelques beacons. Je pense que dans le précédent épisode, je crois que c'était épisode 5, si je me trompe pas, épisode 5, j'ai été farmé plusieurs beacons. Genre, je crois, un stack de tête, il me semble, un stack de tête de Wither. Bon, épisode 5, ouais, un stack de tête de Wither. Donc ensuite, c'est que j'avais simplement été les faire et puis ensuite j'ai mis des beacons. Donc, ouais, à tout. Ici, on a un shop de Max Payne, il me semble que c'est un bâtiment Max Payne, donc évidemment il n'y a rien, voilà, je pense que vous en doutez, il a déjà un shop, donc ça convient déjà largement. Et puis du coup ici c'est simplement le shop à Max Payne, enfin plutôt un autre bâtiment Max Payne, il me semble, si je ne me trompe pas, hein. Je sais pas si ici il y a un truc, donc... ah si, il y a une petite entrée quand même, qui n'a pas de décoration, donc ouais. Alors, en fait il faut savoir que Max Payne il fait très peu de décoration je pense dans ses bâtiments comme pas mal de personnes, mais... c'est ça en fait surtout qui est cool, c'est que c'est bien aménagé en fait à l'extérieur, mais par contre malheureusement à l'intérieur il y a vraiment rien parce qu'il y a très peu de place en forêt. Du coup j'aime pas mal en fait le petit passage en dessous le bâtiment, c'est ça en fait que je voulais absolument, pas absolument mais j'aimais bien refaire en tout cas. Bon c'est pas du tout le même rendu forcément comme c'est pas terminé, d'ailleurs ici à un moment j'ai pas mis les dalles donc c'est un peu problématique, mais voilà, ça c'est un truc que j'aime plutôt bien, j'aime bien la liaison entre les deux. Ici du coup on a un petit puits, voilà, fait par Nathan ou par Monster, je sais plus du tout, alors, enfin je sais pas du tout par qui c'était fait. En tous les cas en fait je sais qu'ici en fait c'était bâtiment fait par Max Payne, mais du coup ils ont été tunés par Nathan par Max et par Monster. Donc voilà, peut-être ils auront tuné ce puits, j'en ai aucune idée. Ici c'est le shop à shop Miss, voilà, parce que c'est la seule fille du serveur il me semble. Du coup qui vend des potions, donc malheureusement elle n'en a jamais mise, sauf s'il y en a là-haut. Ah oui d'accord, ok, donc il y en a là-haut. Ah, je savais pas ça, par contre il y en avait là-haut. Ah c'est cool ça. Bon bah dommage que je l'apprends seulement que maintenant au final, mais bref. Ensuite du coup hop, si on ressort,
Juste ici, on a encore les bâtiments de Max Payne, qui du coup, enfin, qui ont été retenus du coup forcément par Nathan et par Monster, donc qui du coup une église, cathédrale, une église, je sais pas du tout, je ne connais pas du tout dans ce genre de domaine. Bien, je trouve que c'est sympa la petite table d'enchant et tout, et c'est très bien fait ça par contre, genre les petits trucs comme ça, ouais, c'est bien intégré, même les carpettes en fait, on dirait pas réellement que c'est des carpettes, enfin bref, aucune idée, pas l'importance, voilà. Ensuite, si on ressort, alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il me semble qu'on n'a pas vu vers là-bas, donc ouais. Ici, c'est du coup le bateau de Monster, il me semble qu'il a refait exactement le même qu'il a chez lui, je pense qu'on le verra juste après. Là-bas, c'est le gros bateau de Nathan, je sais plus du tout s'il l'avait fait lui-même ou alors il l'avait pris sur Planet Minecraft, mais bref, voilà. Parce que Nathan, il était pas énormément actif, enfin, pas énormément... En fait, il est resté que très peu de temps, mais il a quand même fait des plutôt bons trucs sur le serveur, donc ouais, au final, c'est plutôt cool. Ici, c'est un bâtiment de 11 EO qui est du coup sur son port. Enfin sur le port de Max Payne, il me semble pas qu'il ait fait les trucs là-dedans. Ouais non, en fait il y a vraiment très peu de décoration à mon avis, il avait commencé à décorer, mais au final il s'est rendu compte que je voulais pas décorer. Bref. Ici du coup il y a rien du tout. Ah si voilà. Un chantier naval, alors oui, un chemin ici. Un chantier naval, donc que j'aime plutôt bien de Max Payne. J'aime plutôt bien le concept, comme on dit. J'aime bien le fait genre que toute l'eau se dispense là-dessous. Franchement, c'est un truc très sympa. Après, dommage, en fait, forcément qu'il n'y ait pas de dispenser partout. Mais je pense que ça poserait peut-être des petits problèmes par rapport à Sous-Infini. Non, quoique, non, en fait, ça poserait aucun problème. Mais ouais, je trouve ça dommage, en fait, qu'ici, il reste encore de l'air ou un truc comme ça. Ça serait plus sympa qu'il y ait autre chose. Donc ouais, petit chantier naval pour faire un peu plus réaliste. Je trouve plutôt bien intégré, franchement. Je dois avouer que là-dessus, j'aime plutôt bien. Ensuite, on va directement passer à la maison de Anzeo, qui du coup, juste ici, puis comme ça, on pourra directement enchaîner chez T-Boy, et puis par la tête, puis bref, vous verrez juste après. Ici, du coup, qui Anzeo vend des pousses, non, des feuilles, oui, des feuilles. On contrôle des émeraudes, donc ouais, c'est plutôt sympa. Donc, j'aime bien en fait, surtout sa façon de faire les bâtiments. Je trouve que ce style, c'est. Je sais pas pourquoi, il y a un truc que j'aime bien avec ce genre de bâtiment, peut-être les détails, surtout ça, les murs et tout, cobblestone, j'aime bien ça, c'est un truc que j'aime plutôt bien. Avec la caisse, et puis surtout, le petit truc que j'apprécie plutôt bien, c'est qu'il a vachement bien intégré en fait le bâtiment par rapport au décor derrière. Parce que du coup, bien évidemment, c'est pas trop marrant si. Je crois qu'il y a une tête de wizard. Si c'est. Enfin, c'est pas dire. Si c'est juste un shop normal, oui, c'est juste un endroit où on peut l'acheter. Là, le truc, c'est que c'est vachement recherché, parce que d'ailleurs, ici, il y a un peu de terraforming, puis directement, en fait, c'est un peu là, on va dire, sa base, donc c'est là où il farme tout ce qu'il a farmé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, d'ailleurs, je le dis, parce que même moi, je connaissais pas, en fait, l'astuce, en fait, c'est que ici, on marche sur la plaque de pression, on plante, on fait pousser, en fait, c'est qu'il n'y a qu'une bûche à couper, et tout le reste, en fait, va dispawn, donc ça, c'est pour avoir des pousses. Et ensuite, si on veut farmer, normalement, comment ça s'appelle ? Les feuilles, voilà. Il a fait un gros trou, voilà. Donc c'est dommage que maintenant Zéo soit très peu actif, mais bon, c'est peut-être pas... Enfin, c'est dommage, voilà. Il y a de plus en plus de monde actif, franchement, sur Vaniago. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais un petit retour aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que je vais arriver ? Ok, voilà. Je pensais pas y arriver, clairement. Du coup, on va sortir, non, on va aller chez T-Boy, qui, hop, je sais pas si on peut ressortir. Ouais, voilà, on peut ressortir par là, hop. Si on arrive, évidemment, à décoller. Voilà, magnifique. Ici on a un petit chemin qui mène à T-Boy qui du coup était un peu le mec le plus riche du serveur, voilà, on va pas se le cacher. Et petit Benji, c'est Benji à quoi ça, c'est un... Ok c'est un PNJ qui conduit là, moi je l'appelle comme ça. Ici c'est une penderie, on dirait limite une plaque de pression ici. Voilà, il me semble pas qu'il est. Enfin il me semblait qu'il y avait un passage secret quelque part, mais je ne sais pas du tout. En tout cas son beacon il me semble qu'il est en diamant si je me trompe pas. Puis ici j'aime bien surtout la vue sur le port et tout, je trouve que c'est vachement bien fait. Sinon là-bas on a du coup la maison chez Anathen qui du coup comme je vous l'ai dit en fait est en elfique, tout ce qu'il fait c'est vraiment elfique parce que c'est bien qu'il gère plutôt bien ça. D'ailleurs avec un petit truc au-dessus, j'aime plutôt bien ça, il avait d'ailleurs même fait sur Skycube. Mais du coup c'est que il a fait juste en dessous de chez lui une petite tour en mob, donc il avait commencé le terraforming, malheureusement bah il est plus là quoi, enfin il est inactif. Donc un peu dommage là-dessus, je pense pas qu'on va aller voir jusqu'en bas parce que ça va être un peu galère pour monter, sauf si j'utilise des élytras. Mais bon voilà, rien d'intéressant. Au pire je vous propose d'aller voir ces épisodes, qui bah, en fait de toute façon toutes les chaînes des membres seront dans la description hein, si jamais. Donc voilà, qui est plutôt sympa, franchement en mode delphique. Très sympathique, ouais. Franchement j'aime plutôt bien. Ensuite on va aller chez Rick qui du coup aussi quelqu'un qui avance plutôt bien franchement sur son biome, qui était pas là pendant pas mal de temps mais franchement qui a plutôt bien avancé. Ouh, un nouveau bâtiment ici que j'avais pas vu.
Mais du coup ici c'est l'endroit on va dire le plus utilisé du serveur. Ouais voilà, c'est un peu la station la plus utilisée du serveur parce que simplement c'est là où on peut récolter tous les arbres. Je m'en suis servi pendant je ne sais combien de temps et je pense que tout le monde s'en est servi ici tellement que c'est utile. Enfin bref, je pense qu'on le remerciera jamais assez Eric hein, pour ça. Ensuite apparemment il a changé un peu ses chemins. Oh c'est sympa ça par contre. Ah j'aime plutôt bien ici. Avant en fait tout était il me semble en blé, mais du coup au moins il y a un petit chemin comme ça, c'est dégagé, donc plutôt sympa. Ici qu'avec un arc qui est plutôt. Oh merde, j'ai cassé. Ah bon, bah, je pense que j'irai repasser ça juste après. Mais ouais, du coup, ici il y a un arbre qui est plutôt gros en fait, qui du coup là-dedans qui a sa salle des coffres, etc. etc. Donc, au pire, je vous inviterai simplement à aller voir ces épisodes, sachant qu'il fait vraiment beaucoup de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne simplement. Ici, on a quelques petits bâtiments, comme par exemple, ici, je crois que c'est l'usine. Ah non, c'est pas l'usine à vache, c'est une église. Ici, c'est le four automatique. Si je me trompe pas, voilà le four automatique. Là-bas, c'est l'usine à moutmout. Là, c'est un bâtiment. Je sais pas du tout à quoi il sert. En fait, il me semble qu'il n'y a pas l'entrée dedans. Là, c'est l'usine à vache qui est pas mal utilisée pour le cuir. Sachant qu'on n'a pas réellement d'usine à vache, donc c'est un peu dommage. Donc, tout est récolté ici. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste mettre ça au pire. Hop, et puis je pense que c'est à peu près tout, ouais, en tout cas pour son extérieur, donc qui fait franchement du plutôt bon boulot. Apparemment, oh nice, il a aussi, apparemment si c'est un producteur villageois, j'ai vu du verre. Ici apparemment il a fait le chemin, donc ça c'est cool ça qu'il ait fait le chemin jusqu'à là-bas. Il me semble que là-bas c'est chez Max Payne si je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est chez Max Payne. Et non, c'est à la mine, ok. Je pensais que c'était chez Max Payne, non pas du tout. Donc ici du coup la mine, voilà, bon bah c'est là où il y a toutes les bannières, la mine ici, les PNJ qui sont tout le temps bloqués parce que tout le monde les utilisait et personne n'a jamais réussi en fait à les débloquer. Ici la petite table d'enchant, voilà, si on a besoin, ici toutes les bannières, donc voilà. Ma bannière qui est du coup comme ma cape, évidemment qu'on ne voit pas, hop, non, faut qu'on la mette comme ça, voilà, je pense que vous voyez déjà un peu mieux. Ensuite, si on sort, on va être simplement chez Max Payne qui, du coup, je pense, a fait un énorme boulot. Ah oui, d'accord, en fait, pas du tout le même. Ok, c'est pas du tout dans le même sens, mais bon, c'est pas grave. Ici, du coup, un arbre de Max Payne, il me semble qu'il était retouché un peu par Monster, ou alors c'est la grotte qui était retouchée par Monster, je n'en ai aucune idée. Avec juste ici, du coup, une petite entrée d'hôtel, en fait, donc c'était un petit challenge comme il dit qui avait lancé à tout le serveur en fait, qui était de faire le but était de faire une déco à l'intérieur de la maison en fait, une petite chambre, une déco de deux chambres, donc on avait ça d'espace, puis on devait pas casser le sol ni le plafond ni les murs, donc chacun fait son truc, voilà, donc c'est plutôt sympathique. Je pense que si vous voulez peut-être aller voir ce que les autres ont fait, bah vous êtes encore une fois aller voir les chaînes des autres. En plus ici avec une petite accueil, non franchement j'aime bien son petit hôtel, franchement très 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 sympa. Hop, puis surtout ici je trouve que c'est vachement bien fait. Il manque un peu de terraforming ici, sachant que je trouve que c'est un peu plat, mais je pense en fait c'est juste parce qu'il a pas terminé en fait. Ici du coup on arrive chez Max Payne, la vraie base de Max Payne qui est genre immense. Si on va prendre un peu de hauteur, je pense que vous allez voir après ce que ça donne. En fait Max Payne était genre ultra actif sur le serveur, mais malheureusement il est plus du tout actif pour des raisons un peu perso, mais il a fait quand même des plutôt bons trucs. Donc si vous voulez vraiment aller voir en détail, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Voilà, il n'y a rien de plus difficile, franchement, aller voir sa chaîne si vous voulez aller voir son contenu. Ici, la maison de Arctic, donc Kidscraft, qui malheureusement n'est plus du tout active sur le serveur. Il me semble qu'il, surtout par rapport à sa connexion, en fait, genre qui est totalement merdique, tellement merdique, en plus avec le serveur qui lag pas mal, plus sa connexion, c'est genre pratiquement impossible de venir sur VG, donc bon, c'est un peu dommage. Mais j'aime plutôt bien sa maison qui en fait utilise pas mal les matériaux de la 1.11, non 1.10. En fait c'est des matériaux que j'ai très rarement vu, donc c'est sympa. Bon franchement c'est très sympa, en plus avec les pistons, voilà, c'est un peu un des restonneurs du serveur. Ici, je pense que certains sont déjà en train de se demander ce que c'est. Donc c'est pour ceux en tout cas qui ont suivi les épisodes précédents de Vaniagos. Donc c'est simplement un projet de Nathan qui avait voulu faire un portail du Nether. Je sais pas qui c'est qui voulait le faire en tout cas. Mais malheureusement, c'est que comme il est plus actif, bah forcément, voilà, c'est tombé à l'eau. Mais Max Payne a réussi apparemment à trouver la schématique et bah, en fait, qui est lui aussi inactif. Donc c'est un peu con parce que du coup personne ne peut le terminer ce projet là. Je pense qu'en tout cas on le terminera avant la fin du serveur. Mais je trouve que c'est quand même un peu dommage d'avoir ça en fait en plein milieu de l'eau, parce que c'est bah de base c'était cool quoi, c'était un bon terraforming, enfin terraforming c'était bonne génération ici avec l'eau. Au final on se trouve avec un truc un peu bizarre au milieu de l'eau, enfin c'est pas grave. Du coup ici on va directement aller chez Béronard qui du coup le membre juste derrière la mine, voilà. Donc Béronard qui n'est même plus sur le serveur, voilà.
Donc Béronard qui est ensuite parti sur Arc, ensuite Kali sur Ragnarok, ensuite Kali sur Immersion, voilà, donc il passe de serveur en serveur, c'est un truc, c'est... Et il a jamais terminé aucune construction, donc ouais, voilà, sa maison, elle était prank, mais au final c'est, il y revient jamais, mais franchement j'aime bien sa petite villa, je trouve qu'elle est vachement sympa. Mais ouais, c'est dommage, franchement c'est dommage. Ici du coup, on a la base de Monster, voilà, qui du coup fait un thème asiatique, comme vous aurez pu le voir au spawn. Donc avec genre un méga terraforming, c'est un truc de... Oh, j'ai jamais vu ça. c'est marrant. Donc avec genre énormément de terraforming, je pense que franchement, c'est... Avec si un jour il y a un avant-après sur le serveur, peut-être un jour, je sais pas. Je pense que sur sa base, ça sera genre vraiment impressionnant, parce que tout le terraforming qu'il a fait, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ensuite juste là-bas on a chez moi, voilà, donc qui est franchement très basique, en fait j'ai pas... On va dire que, en étant sur Vanyago, j'ai rejoint le serveur sans forcément avoir de projet fixe, et surtout en m'installant quelque part qui me plaisait pas forcément, c'est ça en fait le problème. D'ailleurs je pense qu'on a déjà discuté pas mal avec les autres, mais c'est en fait le problème avec Vanyago, c'est que... Bah, c'était un peu un endroit, enfin un peu la map... qui force un peu les gens à s'installer. Donc à la limite, peut-être pour la prochaine saison, genre faire une carte encore plus grosse, mais il n'y avait pas énormément d'endroits qui étaient cool. Mais du coup, là, je pense que le seul endroit qui est cool de ma base, c'est ici, là, avec les shaders le jour, ça rend pas mal. Ici avec la salle des coffres, là, qui n'est... Bon, en fait, qui est terminée en soi. Ensuite, là-bas, qui n'est pas terminé, voilà, c'est un petit bâtiment basique que j'avais fait pour, faire le chemin, mais je n'ai jamais terminé le bâtiment, donc ouais, voilà. Plus d'ailleurs, avec une petite pointe d'oxy qui est posé des coffres, donc ouais, c'est en fait, j'avais voulu partir sur un truc médiéval et en même temps un peu ruine, enfin j'ai pas vraiment de projet, donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Ici, là-bas, on a la maison de, enfin la base de Aquariax qui du coup a fait pas mal d'arc custom, donc ça c'est plutôt pas mal. Il fait pas mal de landscape, franchement, j'aime plutôt bien avec son tronc d'arbre ici, ouais, son gros tronc, comme on dit, et je sais pas ce qu'il voulait faire, ah d'accord, c'est surtout pour son beacon. Ah, c'est sympa ça par contre l'idée, mais par contre c'est un peu dommage que ça soit le seul autopsie puis tout d'un coup rien, donc ouais. Donc ouais, pas mal sur son petit landscape, franchement j'aime plutôt bien ça par contre. Et évidemment je n'ai plus beaucoup de flirtifies, donc ici il y a une Ender Chest ici, est-ce qu'il en a... Ah voilà, ça c'est cool. Du coup boost ici, tac, on va prendre la shulker et ouais, voilà, on va en prendre 32, normalement ça sera largement suffisant, tac, et on remet ça là-dedans. D'ailleurs... Ok, ouais, c'est mon pack qui fait ça, ok, j'ai envie de dire, what the fuck, d'où il y a des laissants bleus, enfin bref, aucune idée. Ensuite, normalement, on va passer chez Zillow, il me semble qu'il est juste ici, qui a fait pas mal de terraforming par rapport aux montagnes ici, c'est du coup Monster qui l'a fait en timelapse, donc si t'as bien allé voir son timelapse, qui a fait pas mal d'épisodes de Vanyago d'ailleurs. Donc il y a des champs aussi, un petit déacoudre ici, qui est utilisé, enfin qui a servi quelques petites fois, avec quelle occasion, enfin quelques petites occasions, mais voilà, rien de plus. Apparemment ici, avec, voilà, une échelle qui fait remonter à chaque fois, donc c'est genre ultra chiant. Mais non, franchement, j'aime bien son petit déacoudre, il est plutôt sympa, surtout, ce genre de tourche japonaise, enfin asiatique. Je sais pas si c'est japonais ou pas, mais ouais, j'aime plutôt bien. Du coup, là, il y a une petite intersection entre chez Monster Zillow et Max Payne. Et d'ailleurs, salut le zombie, je ne sais... Il est tombé? Oui, il est... Hop, non, évidemment, si je prends pas le bon arc, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Hop, et tu meurs. Tu meurs? Voilà, merci. Du coup, ici, on est du coup chez Max Payne, voilà, donc je pense que... Je vous l'ai déjà montré juste avant, donc là-dessus, pas trop de problèmes. Là-bas, on a du coup chez Zillow, qui, comme je vous l'ai dit, fait un thème un peu elfique, donc un peu dans le même style en fait qu'il y avait au spawn. Donc il a commencé à faire pas mal de bâtiments en fait. Sachant que pendant un moment, il était parti pas mal sur Arc aussi. Mais au final, il retrouve pas mal d'activités. Et il a... Oh, c'est dingue ce qu'il a fait ici, j'avais pas vu. Il a continué un peu ses champs ici, il a fait quelques petits bâtiments, mettant pas mal de végétation. Ah, c'est sympa ce qu'il a fait. Franchement, j'aime plutôt bien, surtout en plus le petit terraforming qu'il a fait aussi avec une île au milieu pour Noël. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Bon, franchement, il fait des plutôt bâtiments, plutôt beaux bâtiments, si j'arrive à parler, de bâtiments elfiques, parce qu'il me semble que c'est un peu elfique quand même. Mais évidemment, il le fait avec les matériaux les plus chiants à farmer, voilà, le prismarine, avec de l'encre, de poulpe. C'est un truc qui est vachement chiant à farmer. Mais du coup voilà, ici une petite place de riche, il me semble qu'il a presque ce qu'il avait dit. Franchement j'aime plutôt bien ce qu'il a fait, et puis évidemment il est belge, voilà, donc ouais, c'est les couleurs à Belgique, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Il me semble pas que j'ai oublié quelque chose par rapport aux bases du spawn. Il me semble que j'ai tout fait, donc je pense que maintenant il est temps de passer au Nether. Où est-ce qu'il y a un portail Nether qu'on pourrait utiliser? Peut-être chez Max Payne, au pire comme ça fera un peu visiter l'intérieur. Donc Max Payne qui s'est aussi pas mal étiré pour l'intérieur.
Donc le portail du Nether qui est de l'autre côté. Ah non, il est là. Ok, j'allais dire de l'autre côté, mais non. Bah, du coup, ouh, il est sympa son petit portail du Nether. J'ai jamais fait attention réellement, mais voilà. Du coup, c'est un petit portail qui mène au hub du Nether. Donc, quoi est-ce que ça donne dans le Nether? Donc, je sais pas du tout par qui c'était fait en tout cas. Mais c'est très sympa. Voilà. Donc, peut-être par plusieurs membres ou seulement par un seul membre. Enfin, bref, dans tous les cas, le pattern est plutôt sympa. Avec du coup, juste au-dessus, l'usine à or, voilà, qui a été faite par je ne sais plus qui également. Sachant qu'elle était déjà faite quand je suis arrivé, il me semble. Je sais même plus, en fait, je sais même plus. Ah non, non, c'était fait par Astil, voilà, P, je ne sais plus qui. Enfin, bref. Donc, voilà, une usine à or de Snow Crash. Donc, rien de plus simple par rapport à ça, les trieurs, etc., etc. Donc, de base, à quoi vous voulez faire un arbre? Enfin, vous voulez faire, en fait, petite sorte d'arbre pour décorer ça, mais ça, il a pas fait, quoi. Mais sinon, là, je trouve que c'est très sympa, le système d'arbre pour monter, ça change un peu par rapport au Minecraft, enfin, le système à Minecraft. Ici, on a du coup l'endroit pour tuer les Withers, donc je pense que pour les personnes suivant Vaniago, ils savent très bien ce que c'est vu le nombre de Withers que j'avais fait. Donc on les place ici en fait. Est-ce que j'ai dit bah quoi là? En fait, on place du coup, hop, la queue sur le obsidienne ici, puis du coup, on met les trois têtes ici, puis du coup, ça spawn, puis en fait, il est directement bloqué dans la bedrock, et puis ça nous permet de le tuer facilement sans forcément qu'il déglingue tout. Voilà. Ensuite, ici, on a chez Max Payne Zero Drop, donc je pense qu'on ira juste après. Ici le portail du Nether du spawn, ici du coup on a vers Lorine Manbike, donc ils ont pas fait grand chose malheureusement. Lorine, je sais pas du tout ce qu'elle a fait sachant qu'elle est plus du tout active. Manbike, il a commencé un peu, je sais pas du tout s'il a fait des épisodes ou pas, mais il me semble qu'il avait commencé dans un épisode il me semble. Ici je sais pas du tout chez qui c'est, il me semble que c'est chez Matosh, alors le temple du désert ou un truc comme ça. Si j'ai juste tombé. Ici on a chez Rick, Daf, Matosh et Randon, on ira voir juste après. Ici on a Monster Aqua, voilà. Ici on a du coup chez VH Caché et chez Astil, voilà. Ici on a du coup chez moi et oh, oh, j'avais pas vu ça. Une zone de test. Ah, c'est sympa ça, la personne qui a fait ça. Je sais pas du tout c'est qui. Faudrait que j'aille voir à la limite. Bon, pire, attendez, on va aller voir, je sais pas du tout c'est qui. Ah bah oui, je me disais bien, c'est que j'ai oublié quelqu'un. voilà, du coup, c'est chez Falco, donc ouais, c'est plutôt une bonne occasion. Donc Falco qui, du coup, fait un thème tibétain que je trouve vachement sympa, surtout avec la cassia qui est très peu utilisée, et surtout le birch. Il fait, non, franchement, ça fait un plutôt beau contraste entre les deux. Aussi, du coup, avec les toits en clay, voilà, qui sont très sympas, franchement. En fait, c'est qu'ils sont un peu plats, mais ils sont genre super, là j'adore ça. Donc Falco malheureusement qui était très peu actif sur le serveur parce que malheureusement il a un internat si je me trompe pas. Donc ça lui permet pas d'avoir genre, va dire tout le temps une activité permanente. Mais voilà, un petit lac ici franchement, enfin un petit port du coup ici. Avec un plutôt boulot en skate, non franchement j'aime plutôt bien par rapport à ça. Ensuite dans ce couloir on arrive du coup chez Eric et Daft, Matosh et Randon. Donc normalement il me semble que la première personne dans le couloir est Randon si je me trompe pas. Il me semble que, ouais voilà c'est Randon juste ici. Donc c'est bien ce que je me disais, donc Randon qui... Ça fait un peu longtemps comme c'est qu'il s'est pas connecté sur le serveur il me semble. Ou alors il peut juste vite fait en... Bah dire un petit coucou, mais sinon c'est très très rare. Sinon alors ici on arrive directement chez lui qui je trouve franchement ces bâtiments ils sont plutôt stylés. Qui enfin surtout le contraste en fait entre la brique et ces blocs là je trouve que ça fait franchement un plutôt bon truc. Et il me semblait qu'il y avait un autre bâtiment sauf si c'est que ça avec son four automatique. Ouais aucune idée bon, bref. Ouais donc sinon aussi son arc custom je l'aime plutôt pas mal, ça fait pas mal dans, pas forcément dans thème de l'arbre du spawn, mais je trouve que ça ressemble pas mal en fait à l'arbre que Max Payne a dans sa grotte et surtout en fait que j'aime bien sur les arbres. Sinon il me semble pas qu'il y a d'autres bâtiments en fait, je sais pas, il me semblait avoir vu un autre bâtiment mais bref je sais plus du tout. Donc il a pas mal travaillé tout ce qui est landscape, terraforming, etc, etc. Il avait commencé ici mais malheureusement bah il est peu spécialement actif en fait sur le serveur comme d'ailleurs énormément de personnes. Et ah ça relie par rapport à ça, ah oh, c'est sympa là par contre. Mais ouais du coup en fait c'est que comme je vous l'ai dit il y a plus grand monde d'actifs sur VG donc c'est ça en fait qui pose problème. Mais ouais non, franchement j'aime bien sa façon de faire un peu son terraforming etc etc. Surtout le petit arbre custom ici qui reste basique mais clairement c'est ça qui donne un peu tout le charme. Donc cool. Franchement par rapport à ça c'est plutôt cool. D'ailleurs apparemment il avait bien choisi son endroit franchement. J'avais pas du tout vu cet endroit, je sais pas du tout si c'est sur la carte ou pas. Mais bref dans tous les cas on s'en fiche un peu. Ici apparemment il avait commencé à creuser. Donc ouais apparemment il a jamais fini à creuser. Je sais pas ce qu'il voulait faire, peut-être une petite grotte, aucune idée. Et du coup, normalement, si on sort et on va sur la droite, c'est juste ici, on arrive chez Rick. Bon, bah, du coup, Rick, on a déjà visité. Là-bas, c'est chez Matosh qui a déjà fait. En fait, il a fait pas mal de projets Matosh sur le serveur. Donc, je sais pas du tout si on ira voir ou pas tout. Mais on essaiera en tout cas. Parce qu'il me semble qu'il est bien dispersé sur tout le serveur.
Donc là, du coup, c'est son projet. D'accord, ouais, donc c'est pas du tout le projet que je pensais. Donc, ouais, non. C'est vrai que ça a un peu changé depuis la dernière fois où je suis venu, où il y avait un peu moins de bâtiments, donc comme quoi il a un peu avancé, il me semble. Enfin, sauf si je me trompe. Il y a une petite usine à poulet, ok. C'est sympa ce qu'il a fait, franchement, un peu genre des. Je sais pas trop comment définir ce thème là, mais je dois dire, il est plutôt sympa. Oh, ça, c'est une petite salle des coffres ici. Ouais, tout sort que Matoche, il a. En fait, c'est que pendant un moment, il a pas mal arrêté Minecraft. Mais franchement, il me semble que quand il est revenu, il a pas mal bossé en fait sur VG, donc ça, c'est plutôt cool. Il me semble que c'était là l'entrée. Ouais, c'était là l'entrée. Ça fait un peu temple désert en quelque sorte. Et en vrai, ouf, on a un truc, je sais pas tout ce que c'est. Hop. Et c'est. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça y est, je m'en souviens, ouais. C'était, il me semble, là où il voulait mettre certaines usines ou ce genre de choses. Il avait déjà commencé à creuser, je sais plus tout ce qu'il voulait faire en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un transport de zombies, PNJ ou un truc comme ça. Je sais pas du tout ce qu'il a là-bas. On va peut-être aller voir, c'est pas mal, c'est pas mal ingénieux ça pour le couloir. Qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a pas de... aussi un bouton ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et je sais pas du tout. Je crois que c'est peut-être un villageois, vu comment c'est foutu. Je crois que c'est un truc pour les villageois. Ensuite, pour les transporteurs jusqu'à là-bas, il doit avoir un reproducteur pas loin. Sauf s'il a fait genre jusqu'à un village. Genre... Ouais. Ah, d'accord, ouais, donc c'est bien ce que je me dis. D'accord, ok, oui, je comprends déjà un peu mieux. D'accord. Oh, c'est cool ça par contre. Genre un petit spawner à zombie qui est vachement bien intégré. Franchement, j'aurais pas dit que c'était un truc à zombie, mais bon, de toute façon, maintenant, comme. Comme ça fait plus spawn de zombies villageois, je pense que son truc est un peu cassé, donc c'est ça qui est un peu con. Mais du coup, ouais, c'est pas mal. Franchement, j'aime plutôt bien chez lui. Hop, on va directement, je pense, repartir. Un élytra. Hop, et voilà, nickel. Donc je sais pas s'il y a un portail en bas. Bon, tiens, voilà, je vais faire une petite ellipse. Ok, du coup, ici on arrive simplement chez Daft, qui malheureusement n'est pas venu depuis un moment sur le serveur. Mais en tout cas, pour le peu qu'il a été, il a fait pas mal de landscape et tout. Et apparemment, son but est plutôt sympa. Donc en fait, son but est simplement. On va dire de continuer un peu tout ce qui était bah en fait avant il était sur Archelia saison 2 et du coup il avait pas malheureusement terminé sous ses projets avec ce genre de bâtiment, je sais pas du tout c'était quel style, donc du coup il voulait venir un peu sur VG comme ça pour continuer un peu, mais malheureusement il était on va dire qu'il a été pas mal occupé après. Mais je dois avouer par contre que son landscape est vraiment sympa, petite intégration à la montagne, franchement j'aime plutôt bien. Il me semble pas qu'il ait réellement terminé un bâtiment, à part ce bâtiment là s'il est terminé, mais il me semble pas en tout cas. Si on regarde bien, ouais non, d'accord il est pas terminé, c'était juste de faire une déco intérieure avec la grotte, mais à mon avis il a pas continué, sauf si c'était pas du tout ça. Mais ouais non, franchement j'aime plutôt bien chez lui malgré que ce soit pas terminé, c'est bah bon pour le peu qu'il a fait, enfin le peu. Entre guillemets, c'est déjà franchement très très cool. Du coup, hop, ensuite on va simplement repartir. Est-ce qu'on peut repartir au point d'Elytra comme ça? Ah fuck, bon bah papa. Ouais, du coup, dommage, ellipse. Ensuite, simplement on arrive au village caché de Max Payne, qui du coup, je trouve franchement hyper bien réussi. Quand je dis hyper bien réussi, je trouve qu'il est vachement bien intégré au décor. Si on regarde bien, là, il me semble pas qu'il y avait un but ou là, il y avait une quête, comme. J'ai l'impression que c'était la quête du village caché, je crois que c'était ça le nom de cet endroit. J'ai jamais su à quoi il servait exactement. Il me semble qu'il y avait un truc à faire, enfin que Max Payne avait fait un peu comme une quête, mais je sais pas du tout comment la commencer. Si un jour, franchement, il y a moyen de la faire, je pense que je la ferai avec un grand plaisir. Mais du coup, voilà, jusqu'ici, qu'est-ce que c'est? C'est, d'accord, qu'il y a une grotte. À mon avis, en fait, c'est vraiment genre un endroit pour chercher peut-être des indices, ce genre de choses, si c'est bien le... La quête du village caché, enfin bref. Franchement, j'aime bien son thème un peu en mode ruine, enfin bien ancien, je trouve que c'est vachement bien fait. Surtout avec cette tour de garde en quelque sorte, je la trouve plutôt sympa, donc ouais. En fait, c'est ça surtout que j'aime bien avec Max Payne, c'est qu'il fait des trucs pas mal répétitifs, mais en fait, qui sont stylés. Donc ouais, c'est con, mais je veux dire, c'est des patterns qui se répètent pas mal. Mais au moins, c'est ça qui est plutôt cool. Alors, il me semble que du coup, le portail est juste là. Ensuite, je pense qu'il y en a qui reconnaissent déjà cette base-là, mais du coup, c'est chez Oxyfine. Alors, lui, par contre, il fait pas de vidéos, mais par contre, il poste souvent dans des screens sur Twitter de ses constructions. Donc, du coup, n'hésitez pas à le follow. Son, normalement, son Twitter sera peut-être dans la description, je sais pas du tout, mais bref, dans tous les cas, c'est qu'il fait un peu un thème fantastique elfique. Je pense que l'elfique, oui, c'est. Enfin, il y a juste ce bâtiment qui est elfique. Sinon, je dirais que ça, c'est vraiment fantastique. Je pense que peut-être ce bâtiment-là, vous voyez bien que c'est fantastique quoi, ça se voit carrément celui-ci aussi. Donc lui il gère plutôt pas mal niveau landscape, je trouve que ça c'est un truc qu'il a bien géré. Pour ceux qui le savent pas, du coup je l'avais pranké, il me semble qu'il y a... Bon, en fait dans le dernier épisode, il me semble que je l'avais pranké.
Donc il a gagné un peu certains trucs de la prendre, comme par exemple la végétation ici, comme ça meublait un tout, comme ça meublait un peu, donc évidemment il a pas tout gardé, hein, bien sûr. D'ailleurs est-ce qu'il l'a enlevé? Ouais d'accord, en fait il a vraiment enlevé toutes les bannières. Je sais pas s'il a tout enlevé en fait. Je pense que peut-être il a dû en rater une. Ah oui, bah, c'est celle-là, elle a pas été enlevée celle-là. Donc aussi si tu regardes la vidéo, bah t'en as loupé une, enfin sauf si c'est fait exprès. Bref, dans tous les cas, c'est que il a pas encore réellement avancé énormément sur la décoration intérieure ici. En tout cas pour ce qui est du premier étage, en tout cas ce qui est du rez-de-chaussée, bah franchement j'aime plutôt bien sa décoration. Juste bon évidemment les coffres qui traînent, voilà, dans toutes les maisons, pareil. Mais sinon, il me semble qu'il avait commencé une base un peu souterraine qui était. Ah d'ailleurs, ouh, oh, j'avais pas vu ce bâtiment là. Ah, il est nouveau ça par contre, c'est cool ça par contre. Ah très sympa, et du coup c'est une usine à vaches, d'accord. Ah bah au moins, ouais, non, ça c'est bon à savoir, parce que je savais pas du tout qu'il avait construit ce bâtiment là, genre j'ai déjà été plusieurs fois chez lui, soit je l'ai manqué la dernière fois, soit c'est un nouveau bâtiment, mais je pense qu'il était pas encore là. Et du coup juste derrière il y a une petite station apparemment arbre d'après ce que j'ai vu, ouais voilà, ouais. Juste franchement ici je trouve qu'elle est pas mal décorée sa station arbre, c'est peut-être un peu bizarre en fait comme ça, genre petit décalage comme ça plutôt que ça soit de la 4, mais franchement c'est vraiment pas dégueu ce qu'il fait. Et du coup simplement on arrive chez Droff, donc Droff qui passe pas mal de temps sur Vaniago, je dois bien vous l'avouer qu'il est plutôt pas mal actif et franchement il fait des plutôt beaux trucs, des beaux bâtiments. Donc du coup ici on va simplement aller voir déjà sa mini carte si on arrive évidemment à voler. C'est en fait c'est surtout ça qui pose problème, c'est qu'il y a pas mal de lag sur le serveur, donc c'est clairement infâme parfois pour jouer. Mais du coup voilà sa mini-map, donc elle a pas été mise à jour il me semble pas, sachant qu'il y a des trucs qui sont pas comme certains bâtiments ici il me semble, enfin en tout cas là bas je vois aucune mise à jour, donc ouais, à mon avis c'est que c'est pas encore update. Donc là du coup c'est le portail Nether, là ici il me semble que c'est quelques petits coffres tables d'enchant, ouais voilà c'est juste un petit rangement vite fait. J'ai pas du tout s'il a une vraie salle des coffres, je pense que peut-être j'irai voir, bon ici on va éviter de montrer, mais non franchement j'aime plutôt bien en fait sa base, sachant qu'elle est plus pas mal en fait, il s'est pas mal étendu par rapport au bâtiment. Donc ça je trouve ça vachement sympa. Ici la petite cathédrale, franchement très sympa. Il me semblait qu'il y avait une flamme ici. What the fuck? Il a éteinte. Ouais, bon moi je pense que j'arrive à la rallumer, sauf si c'est fait exprès. Mais ça me semble bizarre en fait que ça soit pas allumé ici. Parce qu'il me semblait que la dernière fois quand j'étais passé, il y avait des flammes partout. Genre, surtout en fait ce que j'adorais bien c'était le petit trou ici pour voir la flamme, enfin bref je pense que j'irai la rallumer juste après. Mais ouais du coup c'est franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait, surtout en plus le port juste ici c'est pas mal imposant, en tout cas j'espère que je ne spoil rien, si c'est le cas bah du coup j'en suis un peu désolé, mais n'hésitez pas du coup à aller voir ses points de vue, il n'y a pas trop de problème là-dessus, toutes les chaînes seront à chaque fois dans la description dans tous les épisodes de n'importe quoi. Mais sinon, je pense que franchement, on a à peu près fait le tour de sa base. Je sais pas du tout sinon, du coup, s'il y a une salle des coffres ou un truc comme ça. Peut-être, je sais pas, dans un gros bâtiment ou je sais pas, je sais plus du tout. Enfin bref, on va éviter de rentrer trop en détail. Dans tous les cas, si vous voulez aller voir des épisodes chez lui, je pense que vous avez tout. Et ah, c'est pas bien éclairé, Droff. C'est pas bien éclairé. Bref, du coup, je pense que ouais, franchement, il y a pas mal d'avancées, sachant qu'il y a déjà quelques temps, quand j'étais venu, il y avait pas autant de choses. Donc comme quoi, franchement, Droff, il avance plutôt pas mal. Ici, du coup, on arrive simplement au temple de Matosh, comme je vous disais juste avant, qui, franchement, est vachement stylé par rapport au toit. J'adore pas mal sa façon de faire les toits. Surtout... Ah, d'accord, ok, j'ai cru que j'étais pas envolé. Surtout, je pense ici, le point de vue est plutôt pas mal. Alors, attendez, comment je vais pouvoir me mettre pile poil centré, genre comme ça. Franchement, ça rend super bien. Je pense qu'avec Richard, ça rendrait plutôt bien. Au pire, j'essaierai peut-être de faire un screen plus tard quand il fera jour. Mais du coup, je sais pas s'il a un lit ici. Non, il a pas de lit. Bon, bah, du coup, c'est un peu con. J'ai cru voir une minimap. Il me semble que c'était où? C'était là. Voilà, petite minimap ici. Donc, franchement, juste ici, ça rend plutôt pas mal. Je sais pas si Matosh ou pas travaille encore sur cette zone, mais vu que je viens de voir des piliers, je sais pas où ils sont ces piliers là. Ouais voilà, il a peut-être essayé de construire un tout petit peu, essayer de poser quelques petites bases. Mais franchement, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ici, les petits ponts, alors qu'est-ce que c'est, une mine? Non, ok, je pensais qu'il y avait une mine ou un truc comme ça, une carrière, mais non, finalement non. Et aussi du coup, pas loin, c'est qu'il y avait, enfin en tout cas, il y a toujours... Bah en fait un truc qu'on avait commencé avec Zilou il y a pas longtemps, donc avant on va dire le début d'immersion. Il me semble que c'est vers là-bas si on continue. En fait on avait commencé un petit reproducteur à villageois pour faire une prochaine usine à faire qui allait plutôt badass. Sauf que malheureusement il faut savoir que bah, le serveur s'arrêtera bientôt, genre dans quelques mois, et malheureusement il n'y a personne d'actif. Donc je pense que faire une usine à faire ça sera un peu débile, enfin pas débile mais ça sera complètement inutile.
Donc, au final, ça servira un peu à rien. Mais bon. Dans tous les cas, je pense qu'on a fait le tour de toutes les maisons, si je me trompe pas. Voilà, il me semblait bien que j'avais oublié quelqu'un. Du coup, ici, pour information, on est juste à côté de Shimatosh. Voilà, donc c'est genre ultra proche. Au final, je l'avais même pas vu. Mais du coup, on est simplement chez Astil et Wallap. Donc, Astil qui n'est malheureusement plus sur le serveur. Il a donc décidé directement de quitter le serveur. Donc, c'est un peu con. Mais leur thème de base, et comme je pense, vous pouvez le voir, est moderne. Donc c'est un truc que j'appréciais plutôt pas mal, mais il me semble pas qu'Astil avait déjà terminé ici. Enfin, en tout cas, j'avais vu un screen, mais j'avais jamais été voir jusqu'à maintenant. Donc franchement, ça rend plutôt pas mal sa maison qui est genre vachement badass en fait quand on y repense. Je pense qu'il pouvait faire un truc sympa, mais le dommage qu'il ait quitté le serveur. Je pense qu'ils ont peut-être un pack particulier d'après ce que j'ai vu dans leur vidéo à Wallap et Astil. Mais je peux le douter si Wallap est encore active. Si du coup, c'est une usine à canne à sucre, ok. Dommage qu'il n'y ait franchement pas d'aménagement, je pense qu'il aurait pu faire un plutôt bon truc. Sinon par rapport à là, franchement j'aime pas mal cet arbre là. Ok, d'accord, un bloc d'os, ok pourquoi pas. Mais sinon cet arbre là en fait, je l'avais vu il y a déjà pas mal de temps. Et peut-être ils l'ont retouché, parce qu'il me semble pas quitter comme ça avant. Alors peut-être ils ont rajouté des feuilles, je ne sais pas. Mais j'aime bien ce style d'arbre, comme je vous l'ai dit de toute façon juste avant pour quelques petits arbres. Ici c'est une maison de Astil. Il me semble que c'est Astil qui a fait. Ouais, c'était bien Astil. Je veux du coup si Wallap s'est installé ou pas ici ou a fait des trucs, mais dans tous les cas, c'est que il me semble qu'ils ont bien un pack particulier, peut-être pour certains blocs. Mais franchement, j'aime pas mal leur style de moderne. Je les trouve vraiment très sympa, surtout leurs petits aménagements et tout. C'est vachement sympathique. Si du coup, si on monte, on a quoi? On a. Bah, d'accord, pas trop aménagé. Mais ouais, franchement, c'est pas mal sympa ici. En plus, une petite piscine. Ça me fait pas penser un peu. En fait, ça me fait pas mal penser à Aurélien Sama, genre. Piscine, mais certains trucs, mais au moins ils font un peu à leur manière, donc je trouve ça plutôt sympa. Et apparemment là-bas on a une usine à, c'est une usine à carottes, usine à carottes. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont récoltés, peut-être ici. Ouais, je pense qu'ils sont récoltés ici. Oh la vache. Ok, bon, ouais, donc ça produit au moins. Ok, parce qu'il me semblait que pendant un moment ils avaient désactivé les le mob griffin, si je me trompe pas. Alors c'était, je sens que c'était l'orage qui, non, c'était le fait que les bâtiments brûlent, donc enfin les batteries brûlent. Donc ouais, en fait, ouais, par contre, celle-là est pas mal utile. Je le demanderai un jour si jamais je manque de carottes à Wallap, si je peux me servir chez eux. Mais... Bref, du coup, je pense que là, par contre, on a vraiment fait le tour. Si je me trompe pas, j'ai bien fait le tour de tout le monde, et il me semble que j'ai oublié personne. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, il me semble qu'il est pas mal long. En tout cas, là jusqu'à maintenant, j'ai déjà commencé le montage, il fait à peu près genre 45 minutes, donc c'est un peu long. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié. On va du coup retourner au hub du Nether si on peut, ou là comme ceci. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode. Du coup, si vous aura plu, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne. Alors aussi, du coup, je m'excuse un peu peut-être la qualité du montage. Malheureusement, c'est qu'actuellement, il est 11h et je dois sortir mon épisode pour tout à l'heure, donc aujourd'hui, donc dans l'après-midi. Et malheureusement, genre, j'ai vraiment pas le temps de faire un épisode plus complet que ça. Surtout que j'ai pas mal de retard. Surtout quand par rapport à l'épisode d'immersion où j'ai passé pas mal de temps, enfin bref. Du coup, je pense qu'on va se laisser là. Du coup, bah c'était Strikey, à la prochaine, et puis bah salut.